Retour à la ville pour Éric Dupond-Moretti et Isabelle Boulay. Le garde des Sceaux et la chanteuse, qui prennent tous les ans leur quartier sur les hauteurs de Nice, ont été aperçus à l'Élysée ce mardi 18 juillet. La raison? Le président de la République tenait sa traditionnelle garden party en marge de la pause estivale, qui a été suivie par nos confrères du Monde. Même si, cette année, l'ambiance a pâti du climat tendu à Matignon. En ce début de semaine, Emmanuel Macron a annoncé le maintien d'Elisabeth Borne en tant que première ministre. Une nouvelle qui lance le début du remaniement du gouvernement, venant conclure la période des 100 jours, supervisée par le président de la République. Mais pour la plupart des ministres, le couperet n'est pas encore tombé. Le chef de l'État doit partager le reste de ses conclusions d'ici à la fin de la semaine. De quoi mettre de l'électricité dans l'air, lors de cette garden party estivale, malgré les efforts de Brigitte Macron, qui avait endossé la casquette de maîtresse de cérémonie. Supérieur à Isabelle Boulay, Éric Dupond-Moretti, Brigitte Macron. Ces stars qui ont assisté à la comédie musicale Starmania le ministre et leur partenaire mardi 18 juillet, les jardins du Palais de l'Élysée, situés dans le 8e arrondissement de Paris, ont donc accueilli les ministres actuels du gouvernement Borne 2. Zéro pour une soirée ensoleillée, dans la, presque, bonne humeur. Éric Dupond-Moretti était accompagné de sa fiancée, Isabelle Boulay. Une sortie rare, puisque le couple se fait, généralement, très discret. Presque autant que la première ministre et son compagnon, qui étaient pourtant tous deux présents. Marlène Schiappa, elle aussi, était accompagnée de son nouveau petit ami, rapportent nos confrères du Parisien. Ceux-ci n'étaient sûrement pas de trop et ont probablement joué le rôle de soutien émotionnel, alors que l'attente de l'annonce du remaniement frise le gouvernement. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, JB Autissier Panoramique. On your